Bonjour tout le monde, je suis Rélus et aujourd'hui nous retrouvons sur Golden Sun de l'âge perdu. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons nous rendre au bateau de Pierce parce que dans le dernier épisode, nous sommes allés à la statue de Kibombo afin de récupérer l'objet qui lui est cher, son orbe noir qui permet de contrôler le navire séculaire. Seulement, il va déjà falloir que je passe par divers endroits, notamment par cet endroit là où il y a tellement de combats inutiles. Et je ne sais plus. Alors attendez, j'ai fait quelque chose. Non, je ne vous ai pas montré la vocation de Thor dans le dernier épisode. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Non. Non. Putain, c'est pas vrai. Ah, je me souviens plus des contrôles. Voilà. Hop. Et comment je... Putain de merde, je fais comment? Bon. Si je vais tout à droite, peut-être qu'il y a une sortie. Eh bah oui. Le problème est en anglais. Bon. Rien que pour ça, je vais tuer des lutins. J'en ai marre. Lutin, une espèce en voie de disparition. Ne les capturez pas. Sinon, voilà ce qui va se passer. Voilà, les lutins sont tués par le dieu de la foudre. Alors s'il vous plaît, ne les sauvez pas. Il y a le petit message gentil du jour. Bon, je me barre. Une seconde, il va falloir que je me retape combien de kilomètres à pied. Je dois m'en retaper des... Pas une centaine, ça serait beaucoup, mais beaucoup trop, je vais m'en taper. J'ai oublié un truc à Kibombo quand même. Je me souviens que il était possible de continuer. Enfin là où j'étais dans les sous-sols de Kibombo. Et je suis sûr qu'il était possible de continuer. J'en suis extrêmement sûr. Ah, j'irai là-bas plus tard. What? On bosse les tubes, blablabla, il les gèle. Et poum, une lance. Et poum, vous êtes mort. Voilà. Voilà, alors la carte. Alors je suis là, faut que je redescende en Aribui. Face du Gondwan, Madra et le bateau séculaire doit être à l'entrée. Doit être sur la petite plage quelque part par là. Doit être par là, normalement le navire. Bon, et bien on va descendre. Maintenant que j'ai Pierce, je me demande si je peux pas aller à d'autres endroits dans le... falaise de... Sur les falaises de Gondwan, je me demande si je peux pas aller à d'autres endroits en fait. Donc j'ai Pierce. Je me demande s'il n'y avait pas un djinn d'ailleurs. Voilà, c'est la petite technique. Je ne sais, je suis sûr que j'ai oublié un djinn. De Gondwan, bah de toute façon j'y vais, donc du coup le problème ne se pose pas. Face de Gondwan, il faut que je me retape tout. Allez, on va s'amuser. Quoique j'aurais peut-être dû aller me reposer. Ah, tant pis. Alors, voyons voir. Où devais-je aller? Je vais vérifier en allant au nord. Pas sur le nord, sinon c'est dégueulasse. Un Garwal. Voilà, ça c'est un Garwal. Ah tiens. Bon. Bah, le problème est réglé. Maintenant, il faudrait que j'aille un étage au-dessus. Ouais,
Ouais, en fait ça mène où? J'explore là, je sais. Ah non, là je sors de l'écran. D'accord. Je sors de la zone, donc je vais pas faire ça. Hop, tu descends toi. Donc il me faut... Ah bah, justement, voilà. Et c'est tout. Genre je dois descendre là. Un piège quelque part. Genre ça c'est pas un objet. Parce que dans ce jeu c'est salaud. Il me cache des objets. Non, très bien. Bon, je te fais confiance. Je te fais confiance. Merde. Ah zut. Ah ça c'est ballot. Ah ça, oh ça c'est ma faute par contre. Oh je suis vraiment désolé, je viens de zapper d'une manière incroyable un objet. Je sais pas comment j'ai fait, mais bon, si j'ai encore de bons souvenirs, je connais le chemin. De plus, c'est pas de la glace créée par de la magie qui va fondre en si peu de temps. On va dire que vous avez rien vu, que c'était un test. On va faire comme ça. Je testais des choses. Voilà. Ok, c'était pas le bon chemin. Voilà, j'ai cet objet du premier coup, vous n'avez absolument rien vu. Si je suis descendu, c'était juste pour vérifier qu'il y avait quelque chose en tout en bas. Je récupère ce champignon, ce fungus curatif. Voyons, un champignon rare et délicieux, mais alors à quoi sert le champignon rouge que j'ai? Qui est là? Donc eux ils appellent ça des fungus et non des champignons. Cependant je vais m'amuser encore une fois et je vais refaire un tour. Oui, parce que j'ai vu il y a quelques secondes, pour ceux qui n'avaient pas suivi, que l'on pouvait sortir de l'écran. Donc je me dis, peut-être qu'il y a encore un secret. Un secret extrêmement bien gardé par ce jeu. Parce que j'explore le jeu, enfin, je vais essayer de le faire à 100%. Je pense que, à part Golden Sun 1, il n'y a que le 3 que j'ai fait à 100%. Encore que j'ai peut-être loupé un djinn au tout début. Et il y a un donjon optionnel que j'ai pas dû faire, parce que je l'ai pas trouvé. Donc c'est ici, et techniquement, c'est là que je peux sortir de l'écran. Oui, ici. Donc, qu'y a-t-il? Ah oui, d'accord. Alors, je replace le contexte. On est là, on croit que là, c'est notre zone, mais en fait, non. La belle bande de salauds m'ont fait croire des trucs. Bon, peut-être que je peux faire quelque chose. Ouais, j'en relis ça, mais je vais pas le faire maintenant parce que j'ai la flemme. Voilà, genre ça. Ça, c'est utile. Donc c'est ce que je vais faire. Non, en fait, ça sert à rien. Bon, bah le chien, je te laisse. Carte. Ouais, bon, après, il y a un long chemin. Ouais, non, pas d'ellipse. Parce que... l'ellipse, au bout de 10 minutes, c'est pas sérieux.
travail de qualité ici, monsieur. On ne fait pas des ellipses toutes les 5 minutes. Putain, faudrait que j'aille voir le maire de Madra d'ailleurs. Ah, je suis déjà à Madra. Ouais. Bon, les autres cons, ils ont embauché leur trou débile. Hein? À cause de vous, je peux pas y aller. Merde, des baffes. Je pense qu'il y a un endroit que je peux explorer maintenant. Oui, cet endroit-là. Madra, non, le maire. Sur... Qu'est-ce que t'es, toi? Oui. Oui. Attends. Non. Attends, si je dis oui et que là non. D'accord, bon bah Bon d'accord, en fait c'est un tri. En fait oui, j'ai pris le jeu de rapidité. Bon bah dégage. Phoenix, c'est une sœur. Ah mon dieu. Ah c'est... moi j'ai juste envie qu'il fasse du mal. Attends. Ah, excuse. Oui, bon, mais je... Vlad en fait, oui bon d'accord. Bon allez vous faire, on va voir, hein, je peux pas vous montrer la puissance. Une psy-énergie authentique. Bon, où est le maire? Le maire, ici. Bonjour tout le monde. J'ai ramené un prisonnier. Enfin, un ancien prisonnier. J'ai le joyau. Je me suis fait chier à le récupérer. Comment dire ça? On a un monde à sauver. Instructif, dans quel sens? Oui, c'est pas nouveau en fait. C'est pas nouveau aussi. Ouais. Bien, je me casse. Ouais. Je vais quand même parler à tout le monde. Oui. Ah merde, je dois aller de l'autre côté. Pourquoi je ne peux pas traverser les chaises? Oh puis merde. Va te faire, hein. Ben là, y'a rien. Même dans la flotte, y'a rien. Oui. Ah, c'est tellement gentil. Alors écoutez-moi bien, vous deux, vous taisez tout de suite. Sinon, je vous balance à la mer. Merci. Éclat cyclonique. What? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une erreur sur la personne, madame. Ouais. Être invincible est un grand mot.
comment c'est quelqu'un. Oh, t'as son Vlad te battrait. Oh mon dieu. Ouais. Il va te... Kerstin. Quel nom pitoyable. Oui, nous. Faites fausse route. Fausse route. Beaucoup d'histoires, mais je m'en fous, j'ai un éclat cyclonique. Il est là. Là. Un cyclone. J'avais pas déjà cyclone. Non, j'avais tourbillon. Débarrasse des mauvaises herbes. Ah ah. Oh wait. Bah non, c'est une mauvaise idée que je viens d'avoir. Je sais pas quoi faire. Allez à l'auberge. En déséquipant tout le monde. Voilà. Hop, je veux dodo s'il te plaît. Merci beaucoup, au revoir. Et je vais explorer les catacombes de Madra. Je suis sûr qu'il y avait des herbes. Je suis sûr que j'ai oublié un truc. Voilà, je suis tombé. Alors, catacombes de Madra. Moi, je joue des A où je veux. Voilà, des catacombes, c'est mal rangé, c'est dégueulasse. Mais comment tu peux vivre dans un endroit pareil? Alors, il y avait une énigme ici, regarde-moi sur votre cœur et vous... Et si j'utilisais Cyclone? Ah mais non, mais je peux passer. Attends. Alors là, faut que tu m'expliques pourquoi. Des trolls. C'est ça, le jeu me troll. J'ai compris. Très très bien. Tu veux jouer à ça, on va être deux. Bon, bah je vais faire de l'ellipse. Attends de trouver comment on fait. Je vous retrouve tout de suite. Attention, ellipse. Bon, réfléchissons à l'instant, regarde-moi, c'est-à-dire que je dois la regarder, mais avec mes yeux je ne peux pas la regarder avec mon cœur pur. Faut donc que je regarde avec une autre vision. Une vision, mais bien sûr, cela s'explique. Ah ah. Très très tordu cette énigme. Bon, maintenant c'est le merdier. Il y a des pots, des jars, des trucs. Il y a des espèces de fenêtres. Il y a une flaque là qui n'a rien à faire. Bon. Je vais mettre ça à la de Frima. Je vais rentrer dans des maisons, des trucs, des machins, des soldats. Rats.
Pourquoi? Bon, c'est donc du petit combat que je suis en train de faire. J'arrive pas à pousser. Explorons tout cela. Oh cool, un coffre. Injar. Une pomme. Une motherfucking pomme. Utilisée sur Lina. Étonnant. Et là, je déplace. Et voilà. Et c'est tout. Ok, donc va falloir que je monte sur les toits à un moment ou à un autre. Je vais rester sur le sol afin de regarder un peu plus en profondeur ce qu'il y a. Bon, en fait, tous mes persos ont plus de 200 de HP. C'est cool. Oh, c'est beau. C'est... Oh, plein d'objets. Est-ce que j'ai trouvé des choses? Des choses? Coffre derrière. Ok, j'ai trouvé un coffre, tu me donnes. S'il te plaît. Fais pas taper le jeu. Ok, c'est un vrai labyrinthe. J'aime ça. J'aime ça. Au moins, le jeu me prend pas pour un con. Cette maison en fait. Ah ah, déjà le coffre. Un porte-bonheur. Vivement que j'arrive à Tolby. Une porte. Laissez-les. Enfin, les fermer. Mais que faire donc? Peut-être un indice dans ces tonneaux. Non. On va FQ. La porte ne s'ouvre pas. Peut-être que je trouve. Peut-être que. Ah bah non. Bon bah c'est un objet que je dois trouver. Parce que maison ne marche pas. Si je fais déplacer, ça m'a l'air un petit peu risque. Là non, c'est bon. Oh, un caillou. Oh, une chaise. Je peux m'asseoir, je peux la déplacer. Non, elle fait partie intégrante du décor. Je vérifie. Oui, elle fait partie intégrante du décor. Bon, bah attention, utilisation de toutes les psy-énergies. Ah bah déjà, il y a des portes. Il y a un lit et une caisse. Je peux sauter. Non, très bien. Je me demande où sont passées toutes les personnes qui habitaient là. Elles doivent être mortes. Bon. J'ai déjà fait déplacer. Trop lourd. Si je fais... Enfoncer. Inutile, creuser, cyclone. Cyclone. Ça marche pas, ça m'aurait étonné. Non, bon. Alors, il y a sans doute un objet à l'extérieur. Procéder avec une logistique incroyable. Bon, faut que je remette la flaque. Voilà, et je monte ici. Donc, je regarde, ok, y'a rien là. Du petit combat pour l'instant. Ça ne m'aide pas. Ah, je pouvais pas y aller ici. Cool. Ouais, ça m'a un peu servi. Ah non, tiens, je l'ai vu, j'ai vu le passage, je l'ai vu. Il était bien caché, mais je l'ai vu. Voilà. Hop là. On relie. Au sommet de la maison.
on descend. On passe. Là, il n'y a rien. Et on rentre. J'espère ne pas avoir dit de bêtises. Parce que si j'ai fait une connerie, ça m'a retombé dessus. Ouais. Déplacer. Qu'est-ce que je dois faire? Enfoncer. Qu'est-ce que je dois foutre? Bon. Je vois absolument pas. Voilà, c'est bon, je vais continuer mon chemin qui m'amène ici à un coffre. Une potion voilée. Il y a un coffre, ça me stresse. Non, là, je redescends de là où je viens. Je vais pas rechercher quand même. Bon, si je vais rechercher. Attention, ellipse, deuxième. Bon, je viens de chercher. Et je me rends compte en fait qu'il fallait quelque chose dont je ne savais absolument pas, c'est-à-dire une capacité qui s'appelait trembler qu'on obtient avec les classes sismiques. Or, les classes sismiques, on ne peut l'avoir que la première fois que l'on arrive à Madra. C'est-à-dire le trou qui devait être rebouché. Et j'ai appris qu'en fait, dans le coffre que vous voyez ici, voilà, il y a une clé. Cette clé vous permet d'ouvrir la porte tout en bas. Et dans la salle au fond, il y a une invocation. N'ayant absolument pas cette capacité, je peux aller me faire foutre. Ce jeu est mal codé. Ce que j'ai à dire, ça ne servait juste qu'à ça. Bon, bah je fuis. Voilà, ça sert à rien que je reste tout longtemps. Cependant, je peux faire ceci, trouver un vieux monsieur et lui donner quelque chose de très intéressant. Voyons, maison de cet étage. Non, pas ici. Voilà, juste là. Yanni, c'est celui-là. Je vais lui donner un champignon. Qu'est-ce que ces petits vieux vont me donner? Ok, je prends. Bah non, alors par contre... Je vais sauvegarder parce que je vais tenter de vous donner un autre champignon. Et j'ai pas envie que vous mouriez. Non. Non, ok, bon bah tant pis. J'aurais dû leur donner le fungus riant. Ah bah tiens. Ah bah non. Bon bah je le garde. Bon voilà. Qu'est-ce que je pourrais faire pour finir? Eh ben non, je vais rien faire.
Et bien c'est la fin de cet épisode de Golden Sun 2, l'âge perdu, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas comme d'habitude de laisser un petit like. Ça fait plaisir de commenter cette vidéo. De vous abonner à la chaîne, de me suivre sur Twitter en base Raenus1. Bon jeu et à la prochaine.